Méditation du 19 mars. Il purifiera notre conscience. Le sang du Christ purifiera notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu. Hébreux 9, verset 14, version Nouvelle Bible Seconde. Le pasteur E. Lonnie Belasanko a un jour été témoin d'un débat moral entre un chrétien et un athée. En se basant sur la Bible, le croyant supposait d'une part que Dieu était la source de la moralité et que le concept de ce qui était bien ou mal, que ce soit consciemment ou intuitivement, provenait de notre Créateur. L'athée a quant à lui soutenu que nos valeurs morales ne découlaient que de nos sentiments et de nos cœurs, et que personne ne devait par conséquent se sentir autorisé à remettre en question la moralité des autres. Croyant avoir présenté des arguments irréfutables et souhaitant clore la discussion une fois pour toutes, le chrétien a visé juste. Cher ami, dans certaines sociétés, les gens aiment leur prochain, tandis que dans d'autres, ils les mangent. Ils le font en fonction de leurs sentiments et de ce que leur cœur leur dicte. Laquelle de ces deux sociétés préférez-vous? La vérité est que j'ai trouvé la réponse du chrétien très intéressante. En tant qu'être humain, nous définissons généralement la réalité en fonction de ce que nous percevons, ressentons ou de ce que notre cœur nous dicte. Cependant, écouter son cœur n'est généralement pas une base solide pour nos décisions. Il peut d'ailleurs devenir la principale source de supercherie. Ceux qui veulent diriger leur vie en la fondant sur leurs propres sentiments sont avertis que le cœur est tortueux par-dessus tout. Jérémie 17, verset 9. Paul a parlé de la façon dont Satan utilise nos sens et craint qu'il nous donne des idées fausses et que nous ne soyons plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. De Corinthiens 11, verset 3, version Parole de vie. Si ce que nous ressentons ne s'harmonise pas avec la fidélité au Christ, nous avons là le signe que nous faisons fausse route. Ce que nous pouvons faire, c'est garder notre sens exercé au discernement du bien et du mal. Hébreux 5, verset 14. Si nous voulons que nos cœurs s'habituent au bien et que la morale biblique demeure la base de notre éthique, nous devons laisser le sang du Christ purifier notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu. Si nous laissons le Seigneur faire ce travail en nous, alors nous vivrons dans une société meilleure. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.